Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la lune et nous avons tous des rêves. Avec RTI 2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre magazine préféré, Rêve d'enfant. Vous êtes bien sûr RTI 2. Alors aujourd'hui, nous allons fouiller dans les boîtes à pharmacie. Nous allons parcourir les rayons et puis on va voir quel médicament ou bien quel produit vous conseillez. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une jeune demoiselle qui s'intéresse au métier de pharmacien. Qui est-elle? Quels sont ses hobbies? Nous allons à sa rencontre dans son univers. Allez, bienvenue. Je me nomme Dengui Awa Marie Bérénice. Je suis en classe de 5e. J'habite dans la commune de Kumasi-Sikoji. J'aime danser et j'aime aussi étudier. J'aime manger du plat kali et la sauce graine. Je veux devenir pharmacienne parce que je suis fascinée par ce métier. Et j'aime la manière de les exprimer aux clients. Et je veux contribuer au bien-être de la société. Bonjour Bérénice. Bonjour Tata. Ça va bien? Bonjour madame. Bonjour madame. Alors Bérénice est venue avec qui? Je suis venue avec ma mère. Avec maman. Maman Bérénice, ça va bien? Ça va bien, merci. En tout cas, la ressemblance est frappante, vous vous ressemblez bien. Alors Bérénice, c'est quel genre d'enfant? C'est une enfant qui aime beaucoup observer. Elle est beaucoup fascinée par la télé et tout. Ok. C'est quelqu'un de bien en tout cas. C'est un bon enfant. D'accord, super, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que maman sait ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Ouais. Tu lui en as parlé? Ok. Et qu'est-ce que maman pense du fait que Bérénice veuille devenir pharmacienne? Ben, c'est une bonne chose. C'est pour aider la population, c'est une bonne chose. D'accord, c'est super. Ben, nous aussi, à notre niveau, au niveau de RTI 2, on a décidé d'accompagner Bérénice voilà, dans son métier d'avenir. Et on lui a réservé un rendez-vous avec une pharmacienne de la place. Donc, d'accord. Si maman le veut bien, on va y aller pour notre rendez-vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, on va caler à maman. À tout à l'heure. Merci. Je suis docteur Makayoko, je suis pharmacien d'officine, je suis titulaire de la pharmacie du Palm Club depuis 2019. J'ai obtenu mon diplôme de pharmacien en 2004 à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. J'ai également obtenu un certificat d'études spécialisées, un CES en législation gestion d'officine en France, à Lille. J'ai travaillé ensuite un an en officine à Paris, à la pharmacie de la Scala. Et j'ai fait un deuxième diplôme, qui est cette fois un master en management des industries pharmaceutiques à l'École supérieure de commerce de Dijon. J'ai également eu l'opportunité de travailler en France dans une maison d'édition qui est Vidal. Et j'avoue que la passion pour le métier est venue avec les années de cours et puis avec la pratique même. Je pense que ça a encouragé déjà avoir son choix de métier à un bas âge comme ça. Ça facilite l'accession. Je pense qu'on se donne du coup les moyens d'y accéder. Donc, il faut encourager ce genre d'initiative. Bonjour madame. On souhaiterait voir la pharmacienne. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Alors, installez-vous. Merci. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. On va demander des nouvelles, d'accord. La raison de votre présence ici aujourd'hui. Ok. Merci en tout cas pour l'accueil. Alors avant même de donner les nouvelles, j'aimerais vous présenter Bérénice. Enchantée. Moi je m'appelle Tata Rita, donc nous sommes là dans le cadre de l'émission Rêve d'enfant de RTI 2. Bérénice veut devenir pharmacienne. Oui. Voilà, donc elle s'intéresse à la profession. On a décidé de vous l'envoyer pour que vous puissiez discuter avec elle, lui expliquer un peu en quoi consiste le métier, votre quotidien de pharmacienne et puis
j'espère qu'au sortir d'ici, elle aura toujours envie de devenir pharmacienne. Ah, bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Chantez Bérénice, bienvenue. C'est bien déjà à ton âge d'avoir un métier en tête, de vouloir travailler pour y arriver. Donc je pense que ça augmente les chances d'être vraiment pharmacien un jour, puisqu'on a tout le temps de préparer. Elle a décidé de vous poser des questions pour essayer de mieux comprendre les choses. Je vais vous la confier et vous allez échanger. Et puis après, je viendrai pour qu'on puisse faire un peu le bilan, le point de votre échange. C'est bon? Bérénice, c'est bon? Allez, à tout à l'heure, tapissé. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis très contente de t'avoir ici avec moi. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir? C'est quoi le métier de pharmacienne? Le métier de pharmacien, c'est le pharmacien qui va délivrer les médicaments qui arrivent sur prescription, donc que le médecin aura prescrit sur ordonnance. À côté de ça, il fait de la sensibilisation, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va demander de faire un contrôle de glycémie pour certains patients qu'il voit à risque pour éviter que le patient soit diabétique. Donc il s'inscrit aussi dans des actions de prévention, le pharmacien. Mais à côté des médicaments, on a un volet parapharmaceutique aussi. C'est quoi la parapharmacie? Alors, la parapharmacie, c'est tout ce que tu peux trouver dans la pharmacie et qui ne sont pas des médicaments. Alors, ça va être des produits cosmétiques, ça va être des compléments alimentaires, ça va être du matériel médical comme les chaises roulantes de l'orthopédie. Tout ça, c'est des produits de parapharmacie. Comment est-ce qu'on fait pour devenir une pharmacienne? Alors, faut avoir le baccalauréat. Alors, c'est série D ou C. Et puis après, il faut s'inscrire à la faculté de pharmacie. Je crois que la première année, c'est un concours, il y a un quota. Et puis une fois qu'on a passé le cap de la première année, on a encore 5 années d'études. Et puis la 6e année, c'est l'année de soutenance. Donc en gros, on a 6 ans d'études en fait à la faculté des sciences pharmaceutiques. Quels sont les différents domaines d'activité de pharmacien? Alors, il y en a plusieurs, hein. Je vais citer en premier le pharmacien d'officine, puisque ici on a la pharmacie. On a le pharmacien hospitalier, il y a des pharmacies à l'hôpital, donc on a le pharmacien responsable de ces pharmacies-là. On a les pharmaciens qui sont dans des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments. Donc il y en a qui sont dans la recherche, qui vont faire des recherches sur les médicaments jusqu'à trouver un médicament qui soit commercialisé. Il y a des pharmaciens à faire réglementaire parce que quand on fait de la recherche, après, il y a tout un processus de validation. Vraiment, le pharmacien peut exercer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Les médicaments qui sont à la pharmacie, est-ce que c'est vous-même qui les fabriquez? Non, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Les laboratoires s'en chargent. Ils les fournissent à nos grossistes ou répartiteurs locaux qui, nous, après, font la distribution au niveau des pharmacies. OK. Donc, si je comprends bien, le rôle des pharmaciens, c'est de vendre des médicaments? Non, il n'y a pas que... On ne fait pas que boutique. On fait conseil, on fait accompagnement et on s'assure que voilà, il y a une bonne observance des fois du traitement pour certains patients qu'on a emmenés à accompagner. Et est-ce que vous-même, vous prescrivez des médicaments ou il faut forcément passer chez MST? Alors oui, ça arrive qu'on fasse des conseils. Mais les conseils, ça reste limité pour un petit nombre de pathologies. Comme je dis, on a une brûlure superficielle chez nous à la maison, on ne va pas aller consulter, on vient, on se fait conseiller une crème pour nous soulager. On a un petit mal de tête, on est un peu fatigué, on a besoin d'un remontant, on vient. Mais pour certains types de pathologies, oui, on est obligé. Est-ce que quand on est pharmacien, on gagne beaucoup d'argent? Oui, le pharmacien, il gagne bien sa vie, mais après ça dépend de ce que vous entendez par beaucoup d'argent. Et comment se passe votre journée à la pharmacie? Alors, j'ai deux casquettes. Hein. J'ai la casquette du pharmacien qui va faire les conseils et puis j'ai la casquette du manager. Donc, ce que je fais le plus, parce que maintenant j'ai un assistant, mais je sais quand même, je m'oblige à être au comptoir un minimum de temps, c'est surtout la casquette de manager. Il y a tout un travail pour la réception, je t'épargne le détail. Donc, on va aller voir ensemble comment tout ça se passe, en fait, comment tout ça est organisé. D'accord? Alors, quand tu arrives dans une pharmacie, alors, l'espace le plus connu, c'est l'espace de vente. Donc, c'est l'espace de vente. Alors, dans l'espace de vente, on essaie de ranger les médicaments,
de sorte à ce qu'il y ait des achats spontanés. Et puis, on garde aussi à portée de main les produits qui ont une forte rotation. Et donc là, on a les médicaments, les autres, le reste des médicaments qu'on trouve là. Donc, on a des sirops, des sachets, des injectables, les médicaments du tableau. On a aussi là, on a un gros stock de médicaments là. Donc, ils sont rangés généralement par ordre alphabétique et puis par forme. D'accord. Est-ce qu'il arrive parfois d'être en rupture de stock? Ah oui, ça peut arriver que le laboratoire ait une rupture, il n'y a plus de fabrication. Ou bien, oui, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Est-ce que vous avez une parapharmacie? Oui, bien sûr. Alors nous, en plus de la pharmacie, c'est-à-dire des produits de para que vous voyez là, on a un espace dédié uniquement à la para. D'accord. Donc, je t'invite à venir voir cet espace-là. Allez-y, après vous. Merci. Ça, c'est l'espace parapharmacie dont je te parlais. Donc ici, tu trouveras tout, sauf des médicaments. Bérénice, c'est bon, ça va? Oui. Tu as aimé l'entretien? C'était bien. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que être pharmacienne, ce n'est pas un métier difficile, au fait. OK. Et aussi, il y a beaucoup d'activités à mener, tout ça. OK. C'est ça que moi, j'ai retenu beaucoup. Comment est-ce que vous avez trouvé la petite? Ah oui, très bien, je vois que ça promet. D'accord. Alors, donc, comme je l'ai dit, dans quelques années, on refait le point. Elle a posé des questions très pertinentes, on a senti la motivation en elle. Donc, okay. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se finisse pas bien. Bien, voilà, c'est ici, dans ce beau cadre, que nous allons vous dire merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos postes récepteurs et surtout de nous avoir consacré 13 minutes de votre temps. On va se dire à mercredi prochain dans un autre décor pour un autre numéro de Rêve d'enfant. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Et puis, bonne suite de programme sur RTI2. Nous, on va se séparer avec notre selfie. On va faire Wistiti. Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous ce derrière. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Comme ça, Bérénice, quand elle va regarder ça, elle va se rappeler qu'elle doit tout faire pour devenir pharmacienne. Pharmacienne, c'est justement ça.